Elle se prépare depuis deux bonnes heures. Car dans le camping, les soirées du lundi sont dignes de celles d'un samedi soir. Ouais. Moi, je préfère coiffer. Elle, c'est le maquillage. Pourquoi le maquillage? Parce que je sais pas coiffer. Mais ce qu'elles ne disent pas, c'est que sur la scène du camping, elles, les simples campeuses, sont les stars de la nuit. Au camping des vagues, ils sont un bon millier bien décidés à en faire des vagues. Franchement, ça déchire, il n'y a rien de mieux, c'est pour que pour les jeunes. Franchement, il n'y a rien à dire, je vous conseille à tous de venir. Les vagues, ça claque. Pour Moulin Rouge, on met les talons ou pas? Coulisses, campeurs et animateurs se croisent. Vous ne retrouvez plus votre costume? Ah, vous me faites paniquer là. Plus relax maintenant, nos stars d'un soir ont flashé sur les nuits du camping. Nous, on vient vraiment pour l'animation. Ce qui est bien, c'est que pour les jeunes, c'est bien parce qu'on peut s'amuser en journée, en soirée, on peut faire les spectacles, ensuite il y a la discothèque derrière. Donc pour les jeunes, on peut quand même bouger sans forcément sortir si on n'a pas la voiture. Et... Pourquoi vous poussez les chaises? Parce que les gens vont pouvoir danser sur la piste. Ah, ils connaissent la chanson et la leçon. Tous les matins, ils redisent leur pain. Et pour ceux qui ont encore un peu de force, la nuit n'est pas terminée. Ce soir, la puce, tu sors en boîte? Oui. On sait jamais. Quel âge? Nous avons 11 ans. Même avec des bébés clubbers et leurs parents, l'ambiance est une des meilleures boîtes parisiennes grâce aux danses du camping, les fameux Crazy Side. Chaque gros camping club a sa propre musique. On commence ce qu'on appelle les Crazy Signs et après on a nos musiques à nous. Et après on avance sur du doux, la musique du soleil. Et sous le soleil de Valras justement, à l'heure